Bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille. Oui, et à quel âge votre fille? Elle a 4 ans et demi et elle m'a parlé de choses à caractère sexuel qui se passent quand on est chez son père. Quel est votre nom? Et donc, quel souci, votre fille raconte des choses, c'est ça? Voilà, elle raconte des choses qui sont extrêmement choquantes. Alors, elle m'a parlé de doigts dans le trou du pipi, de doigts dans le trou du caca. Oui. Pour les enfants de 4 ans, c'est assez fréquent de dire ce genre de langage. Hein. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Hein. L'école aussi, ça raconte pas mal de choses. C'est pas forcément lié à son père. Hein. Bah, vous n'êtes pas avec votre cerveau d'adulte de fantasmer sur le vocabulaire de l'enfant de 4 ans. Hein. D'accord. Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Moi, vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, parce qu'elle parle de ça, que c'est lié à un abus sexuel. Il faut arrêter avec ses histoires, d'accord? En fait, il y a impossibilité... Là, c'est vous qui vous mettez des idées en tête, hein. Il y a impossibilité... En fait, je vous explique. Il y a impossibilité à ce qu'elle voit un psy. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis aussi, c'est pas la peine de m'appeler. Non, mais en fait, je vous explique, la situation est assez compliquée. Parce qu'en fait, je peux pas la faire voir à un psy parce que le père s'oppose. En fait, l'école avait des inquiétudes. Il a déjà fait un signalement. Oui. Donc la situation est connue chez nous ou pas? L'assistante sociale m'a dit que vous avez envoyé un signalement et que j'allais être reçu je sais pas quand, je sais pas comment ça se passe. Oui, oui. On va vérifier si on a reçu une demande d'enquête. Mais bon, je vous dis, madame, un enfant de 4 ans et demi, c'est du tout et n'importe quoi. Pas du tout aussi à leur parole. C'est déjà le deuxième signalement que l'école fait parce qu'au départ, il la trouvait. En fait, il y a une rupture de comportement depuis quelques mois. L'école m'avait déjà convoqué, mais elle parlait pas. Peut-être qu'il y a uniquement l'enquête sociale en cours. Hein. C'est pas forcément la police qui est signataire de ce genre de signalement. Dans la mesure où on vous dit, c'est à propos d'une enfant de 4 ans et demi ou d'un enfant de 4 ans et demi. Ça peut paraître courant. Hein. D'accord? On dit, là, c'est l'adulte qui ne peut pas se mettre des idées en tête. Hein. D'accord? Parce que vous êtes séparés de cette blague. Certainement, il fait du mal à votre fille, hein. Non, d'accord. C'est pas du tout ce que je dis. Il y a eu des événements dans le passé. Alors, moi, je vous dis qu'on n'a rien en cours par rapport à votre famille. Faites-le pour question de sociale, vraiment ce qu'elle a fait anciennement ou pas. Hein, et s'il y a un dossier en cours qui arrive et qui n'est pas enregistré, vous serez contacté. Donc, attendez qu'on vous appelle, d'accord. Et faites-le pour question de sociale, de voir précisément ce qu'elle a fait. Alors, elle m'a dit qu'elle a fait un signalement, que j'allais être contactée par la brigade des mineurs, qu'elle avait envoyé... Ah, bah, alors,